still be after you like cans behind a limousine. In that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave, I'm standing all alone at the altar. Après avoir quitté Istanbul, Thomas va-t-il aller jusqu'à Pergame ? Réponse dans cet épisode. Bon là ça y est, je suis de nouveau tout seul. Christelle, ma maman et ma sœur sont bien rentrées en France. Là je pars en direction de la ville de Troyes, ville où se serait situé les événements mythologiques décrits par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Juste à ma droite se trouve la mer et franchement, je suis vraiment, vraiment content d'être sur cette route. Juste de pouvoir jeter un petit coup d'œil comme ça et je vois la mer, je suis trop content. Là, je me trouve sur le musée de la ville de Troyes. Mon camping est juste en face, donc ça c'est super, j'ai pas juste eu besoin de traverser la rue. J'ai mon sésame, et puis on rentre dedans. Après avoir visité le musée, maintenant il est temps de nous rendre sur le site archéologique. C'est ici que serait né le mythe de l'Iliade et l'Odyssée, la prise et la chute de Troie par les Grecs, raconté par Homère. Ce qui est tout à fait intéressant en fait, c'est pas voir ces pierres finalement. Ce qui est intéressant, c'est comprendre l'œuvre, son message, car elle est remplie d'invariants qui nous questionnent sur les êtres que nous sommes. En fait, on a l'impression qu'il a été écrit hier, presque. Rien n'a changé sur la condition humaine, car quand on relit l'Iliade et l'Odyssée, on parle d'amour, on parle de violence, on parle de déchaînement des passions, on parle de jalousie, on voit des dieux qui paraissent humains, et on voit des hommes qui transcendent leur existence à travers la guerre, et que la guerre finalement n'est que la condition humaine d'après Homère, que toujours la paix naît sur les cendres de la guerre et qu'elle est toujours présente. Donc c'est pour ça que moi je suis très content d'être venu là et d'avoir relu de nouveau, en tout cas écouté l'Iliade et l'Odyssée sur mon vélo avant de venir ici. Presque une sorte de pèlerinage. Donc je crois que cette visite de la Turquie, de la côte, va être ponctuée de nombreux sites archéologiques, car depuis que vous suivez les vidéos, vous devez voir que le cyclocompteur, il aime les vieilles pierres et l'histoire. On continue la visite. Donc là, j'ai essayé de trouver Brad Pitt, mais visiblement, il a dû prendre des vacances. Merhaba. Bon bah là je suis parti en direction de la ville de Pergame, donc qui est connue pour son site archéologique. On continue voilà à visiter la côte turque. Malheureusement je vais devoir me faire arracher une dent, c'est des risques en voyage. Je rigole. Là je me trouve chez Metin. Il était médecin militaire à l'armée turque et maintenant il a ouvert son cabinet dentaire. Il habite à Pergame et il y a une petite chambre dans son cabinet et c'est là qu'il m'a logé pour quelques jours pour que je visite la ville de Pergame avec lui.
les Grecs, à l'époque, ils ont dû se faire suer, hein, pour construire là, cette acropole et toute leur ville au-dessus de la montagne. Moi, en 2 minutes, je monte avec un téléphérique, mais eux, en train de soulever des pierres et tout. Chapeau les mecs, hein, moi, ça m'impressionne à chaque fois. Là, vous avez raté quelque chose car les gardiens viennent de siffler comme à la récréation qu'il faut rentrer. Donc c'est un peu difficile car c'est le bordel. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, alors que pourtant j'ai un audio guide. On veut dire 2-3 mots sur Pergame, pourquoi ça vaut le coup de venir voir. Donc tout d'abord, c'est plutôt pour la vue qu'il faut venir. Il y a une vue extraordinaire sur les vallées, les fleuves qui bordent le rocher. On peut même voir la Méditerranée à plus de 30 km d'ici. Et en fait, c'était une ville énorme à l'époque. Et les rois de Pergame voulaient en faire, c'était des rois grecs, ils voulaient en faire la deuxième Athènes. Et c'était un centre culturel très important à l'époque hellénistique, car il y avait la bibliothèque la plus grande de l'époque après celle d'Alexandrie. Moi ce matin, j'étais tranquille à l'hôtel, en train de faire des vidéos pour vous. Et Valentin m'avait écrit il y a quelques jours qu'il était dans les parages, il suivait l'Eurovélo et la côte vers Izmir. Et moi je me dis, bah, tout simplement, des fois mieux vaut t'attendre et les gens viennent à soi. Et effectivement, au moment où je me dis, je vais peut-être me mettre en branle-balle combat, je sors et qui je vois? Un barbu en train de fumer sa clope. Voilà Monsieur Valentin qui se trouve juste là. Et on va faire un petit bout de chemin ensemble jusqu'à Izmir. Et voilà quoi, on va bien voir ce qui se passe pour cet après-midi. La vie fait bien les choses. Et ouais, allez, go. Un vrai carnage. Donc là, on se trouve dans le monde de Mad Max. C'est l'Eurovélo 8 en Turquie. C'est juste un délire énorme. Je vais vous montrer pourquoi. On a même pas fait 100 mètres qu'on pousse. Non mais là c'est un truc de fou, on venait de se faire courser par des molosses et là on arrive bientôt sur la cité antique. Donc pour la première fois, je vais pouvoir dormir dans une cité antique. Et ça, c'est beau. Bah, j'ai pas blindé. Ah ouais, c'est pour ça que t'en as pris 2. Tu sais, le colo. Ah, je recommence sur un petit rythme. Hein. Elle va péter. Oh la. Ah, ça. Ah, magique. Ça m'avait manqué, hein. Ça. Voilà. Ah, ça m'avait manqué. Ah, le kiff. Ouais. Tu as un site antique devant un port. Là c'est une grande première. Hey, pep, là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir.